Bonjour, je suis Marie, professeure de français à l'ISMAC. Aujourd'hui, je vais vous parler de la famille recomposée. En France, la famille est quelque chose de très important. Mais il y a aussi beaucoup de couples qui divorcent. Certains enfants grandissent alors avec des parents divorcés. Parfois, les parents se remarient, c'est-à-dire qu'ils se marient avec une autre personne. On a alors une nouvelle famille. C'est ce qu'on appelle la famille recomposée. La personne qui se marie avec l'un de mes parents s'appelle mon beau-père si c'est un homme ou ma belle-mère si c'est une femme. En français, on utilise l'adjectif « beau » avant le nom d'un membre de la famille pour dire que c'est une nouvelle personne de ma famille, que nous n'avons pas le même sang. On peut l'utiliser avec la famille de son mari ou de sa femme. Ensuite, si l'un de mes parents a un enfant avec une autre personne, ce sera mon demi-frère ou ma demi-sœur. Ici, on utilise « demi » pour dire que nous avons un parent en commun et un parent qui est différent. Voilà, maintenant vous connaissez le vocabulaire de la famille recomposée. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt !